qu'on peut parfaitement papoter entre amis dans un parc balle aux pieds. Tout est dans le jeu de jambes. Bon, je me débrouille bien en sandales, mais avec de vraies chaussures de foot, pouh, je deviens carrément redoutable. J'ai entendu dire que tu avais troué le filet en tirant un pénalty. Deux fois. C'est exact. Mes tirs font de sérieux dégâts, mais je ne les utilise que pour de nobles causes. Comme emmener la Ligue Junior jusqu'au championnat national. Et nous, on t'encouragera jusqu'au bout. C'est quoi ça? Des auditions de pom-pom girl? Tu pourrais peut-être y participer, Lila. Je parie que tu ferais une pom-pom girl fantastique. Oui, c'est ça. Je suis Lila, la terreur des gardiens de but. Pourquoi je renoncerais à mes victoires pour encourager les autres sur la ligne de touche? Tu veux dire comme Shani et moi qui restons sur la ligne de touche pour t'encourager? Non, non, non. Des amis comme vous me poussent à tout donner. Tandis que les pom-pom girls ne font que détourner l'attention des vrais athlètes. Franchement, ce n'est pas difficile. Oh, je veux un B, je veux un E, je veux un U, R, K. Qu'est-ce que ça fait? Hé, hey, Lila, ce n'est pas juste et c'est un jugement de valeur. Les pom-pom girls ont un rôle important à jouer. Oui, et les pom-pom girls travaillent beaucoup aussi. Elles doivent être en pleine forme, super concentrées et motivées pour améliorer leur chorégraphie. Mais les pom-pom girls se prennent tellement au sérieux. Ce n'est pas comme si l'issue de la partie dépendait d'elles. Ah, on dirait que l'univers t'envoie un signe. Ou peut-être qu'un monde pocket de pom-pom girl a besoin d'héroïne. Ne me dites pas qu'il y a un monde pocket dédié aux pom-pom girls. Super petite. Pas mal. Je pourrais porter ça quand je t'encouragerai au match. Oh, trop bien, vous êtes venus. Merci infiniment. Je suis Carissa. J'espère que vous êtes prête à agiter vos pompons. Je m'appelle Polly. Et voici Shani et Lila. Bienvenue sur l'île des pom-poms, le centre d'entraînement des fées pom-pom girls. Tu as bien dit fées pom-pom girls? Tout à fait. Les fées inspirent les pom-pom girls pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. L'entraînement commence la semaine prochaine. Je suis venue pour répéter. Je veux postuler pour être capitaine d'équipe. Mais d'abord, je dois prouver que je suis une pom-pom girl passionnée et dynamique. Parce qu'il y a des capitaines? Bien sûr, pour diriger les chorégraphies. Obtenir un ruban de capitaine, c'est du travail, parce qu'il faut exceller dans toutes les catégories, sans exception. La première année, j'ai été classée dernière sur 200, vous vous rendez compte? J'avais sous-estimé les défis de l'île des pom-pom girls. Mais depuis ce jour-là, j'ai travaillé tous les jours. Je joue aussi au football. Tout est dans le jeu de jambes. Ouh, Lila aussi fait du foot. Et toutes sortes d'autres sports. Moi aussi, je fais différents sports. C'est pour ça que je suis devenue pom-pom girl, pour aider les autres à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Oh, tu es vraiment devenue pom-pom girl pour de nobles raisons? Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne crois pas aux pom-pom girls. Disons plutôt qu'elle n'a pas un avis arrêté sur la question. Oh, tant mieux. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais de ces gens pour qui être pom-pom girl n'est pas un sport. Peut-être que si je transforme votre trio d'héroïnes en une équipe de pom-pom girls, je deviendrai capitaine cette année. Moi, ça me tenterait bien. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Oh, je fais des tas de choses bizarres, alors pourquoi pas devenir pom-pom girl? Ouais, mais sur cette île, l'entraînement est très intensif. C'est bien, les filles, votre entraînement commence par un échauffement de 25 tours de gymnase. Allez, les filles, on court! Maintenant, quelques étirements. Je pourrais faire ça des heures. Maintenant, vous devez acquérir une solide technique de gymnaste. Ouais. Très joli saut, Shani. Fais-en 50. Allez.
Tu vas bien, Polly? Oui. Cool. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu réussisses au moins 10 fois d'affilée. Comment ça se passe, Lila? Je ferai ça pendant des heures. Les filles, l'entraînement d'aujourd'hui n'était rien par rapport à ce que nous allons faire à présent. C'est maintenant qu'on se donne à fond et qu'on agite nos pompons. Prêtes? 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. Grand sourire. Quelle heure est-il, les filles? C'est l'heure de tout donner et ensuite de recommencer. Tic, tic, boum! Maintenant, pyramide. Vive les pom-poms! Je suis capitaine, j'ai le ruban. Les fées devaient nous regarder et j'ai réussi. On a réussi. Comment pourrais-je vous remercier? C'est moi qui te remercie, Carissa. Je n'aurais jamais imaginé qu'être pom-pom girl était un sport aussi exigeant. Tu es la championne du travail d'équipe. Respect. Merci, Lila. Super grande! Bon, d'accord, je dois bien vous l'avouer. Je me suis trompée sur les pom-pom girls. On te l'avait dit. Mais pour être honnête, nous aussi, nous sous-estimions les difficultés de l'entraînement des pom-pom girls. Ça, tu l'as dit. Si on allait chez moi, je nous ferais des smoothies protéinés. Oh, les pom-pom girls sont disciplinées. Elles travaillent en équipe, elles sont fortes. Mais j'étais trop occupée à les juger pour m'en rendre compte. Maintenant, je comprends pourquoi mon entraîneur dit toujours « Ne jugez jamais sans avoir essayé ».